On est mal et même maudit. Il faut du Harry. RS Quattro ou Ferrari. Je fais appel de phare, c'est sur la voie de gauche que je vais rester calé. Guette comme mon mani, ça grille les feux rouges dans tout Paris. Je prends virage à gauche, je prends virage à droite, mais je ramène le produit, le produit. Gros chuchot de bite! Toi, tu veux présenter ta femme, la vendeuse de trottinettes. Arrête! Attention, calmez-vous, pas de violence. Tu veux présenter ta femme, la vendeuse de trottinettes. C'est moi! Amine, fais ton taf de garde du corps et ferme ta bouche, va voir! Voilà! Mais garde du corps, il a dit que le président ici, là, voilà! Merci, Amine! C'est pas parce que tu sors avec la présidente que t'es le président, voilà! D'ailleurs, la présidente qui a même pas été élue, d'ailleurs! C'est un scandale démocratique. Donc si tu veux un vélo Amine, je t'invite à passer au concès. En plus c'est un pointeur. On est pas avec lui. Non, c'est limite, ça le bâtard. Amine, elle parle devant, c'est un homme au lieu de parler derrière les boucliers. Voilà, sale victime va. Tous les citoyens. Porte et fais ton travail justement. Monsieur, vous allez bien? De trottinette. Ouvre la porte! Amine, voilà! Le peuple avec nous! Le peuple avec nous! Qui a ouvert? Voilà! Oh, qui a ouvert? Wesh! Pas vu, filmez, voilà! Filmez bien! Wesh! On est en paix! Oh, ça commence à mettre des coups de matraque! Ça commence à mettre des coups de matraque! Wesh! Tranquillement! On a rien demandé! Aïe! 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 Ouh là là, ça a gazé! Oh là là! Allez, tout le monde descend! Allez, où la pré... Ouais. Mais non, monsieur. Oh, la dinguerie. Oh, la dinguerie, c'est trop lourd. C'est normal, c'est moi la folle du coup. Mais non, c'est pas que c'est normal, c'est que... On a pas dit que c'était normal, on a dit que tu veux faire quoi? Tu vas pas tuer toute la ville parce que... J'ai pas... Mais arrête de bloquer sur ce putain de mot, c'est une putain non, d'image. Mais attends, mais tu t'énerves sur qui là? C'est une putain d'image. Elle s'énerve sur toi là, clairement. Ouais. C'est une putain d'image, je suis en train d'expliquer depuis tout à l'heure, tu me dis oh, ça sert à rien de t'énerver. Mais parce encore que je m'énerve depuis tout à l'heure, mais tu veux faire mais quoi? Mais encore heureux que je m'énerve, encore heureux. Ça va rien changer du tout. Mais encore, donc je vais les laisser. C'est normal que tu sois énervé. Voilà, c'est normal, donc basta, stop, y'a pas à rien dire. Et bah voilà. C'est une discussion normale. Oui. C'est trop, frère. Je suis là, je t'explique les choses. Elle me dit, quand même, c'est pas rien de s'énerver, ça devrait changer. Et alors? Tu t'énerves toutes les deux secondes pour des trucs de merde. Je suis là, on est en train de me boycotter, je lève la voix. Il est où le problème? Mais tu t'énerves, il est où le problème? Rien. Il est où le problème? Je m'énerve parce que c'est énervant, qu'est-ce qu'il y a? Mais tu parles à qui comme ça? Ça change ou pas? Et alors? C'est un truc énervant, c'est normal que je m'énerve. Qui c'est ça? Ah ouais, non mais freine pas d'un coup. Ah ouais, ok. Oh ouais, bah elle a... Fallait pas me le dire deux fois ça, hein. Je voulais pas vous toucher. Pardon. Il a brûlé. Ça va monsieur, ça va aller. Tu es sous patate, hein. 12 heures sans dormir et me rendre compte qu'il y a un problème. Il faut que tu manges parce que sinon t'as vu tes gros seins, après tu les auras plus. Le contraire m'aurait étonné. Tu trouves pas que j'ai grossi depuis qu'on est mariés? Objectivement. Objectivement, non. Ok. Parce que toi... Et moi
Ça va. Quoi? On voit qu'on t'es heureux, quoi. Bah, je morde bien, ouais. Non, t'as juste, tu vois la petite bouée là autour de la ceinture? Non, pas encore, arrête. Ouais. Attends, j'appelle Billy, 2 secondes. T'es pas en train d'appeler là? Allô? Ouais, c'est moi. Alors? Bon, on a un problème. Ouais. Enfin, apparemment, on a un problème là. On a un gros problème. Ouais, du coup, ils disent que tu peux enlever ta tête de l'essai. Mais putain! Ouais, du coup, tu peux enlever la cagoule. PTDR, il boit dans un pot de fleurs. Attends, mais c'est vrai que c'est un pot de fleurs. C'est bizarre, un pot comme ça. Putain, je suis trop con, wesh. Oh, sa mère, je suis trop con. En fait, il y avait ça dans ma cuisine. En fait, les anciens propriétaires, ils avaient laissé ça. Moi, je l'ai lavé pour boire dedans. Oh, je suis trop con, sa mère. Sa mère. Wesh, c'est tout sauf un verre, ça. Eh, vas-y, plus jamais je bois dedans, ça me dégoûte clairement. Bon, Amine, j'espère qu'il va faire une masterclass, sa mère. Ton micro, il y a un bip dégueulasse. Ouais, c'est ça ton problème. C'est ça ton problème, est-ce que tu comprends? Ça va, Selim? Voilà. Bon, et bah écoutez, c'est la fin. C'est la fin de... C'est la fin, frère, c'est tout, c'est la fin. Bonne soirée! Le monsieur, hein? Qui? On est en démocratie ou on n'est pas en démocratie, Amine? Il y avait une date limite. Pour tout le monde. Il y avait une date limite. Non, il a donné en temps et en heure. Et elle aussi, Iris, elle a donné en temps et en heure. C'est sérieux, frérot? Justice pour tout le monde. Suceur du gouvernement. Normalement, suceur du gouvernement, regardez-le. Oh, bon, écoutez-moi bien, la section d'assaut. Je vais aller voir la présidente. Je vais aller lui parler de ça et on verra. J'arrive. Non, t'es un suceur du gouvernement. Bouh, suceur, regardez-le. Pointez le judo, le suceur du gouvernement. Ok. La honte. Ouh, suceur. Les speedy, vous pouvez les calmer, s'il vous plaît. Je me fais. On est calme, c'est une manifestation pacifique. Oui. Voilà, attends mieux alors, c'est comme ça. Ta daronne n'a pas suffi. Messieurs, dames. Ta mère la pute, elle est pas pacifique, fils de pute. Ta daronne n'a pas. Oh, calmez-vous. On est aussi en pacifique, fils de pute. Fils de pute. Je manifeste. Ok, il faut qu'on ait un style et tout là. Oh, la police, reculez un peu. Croze. Comment je fais? J'arrive pas. Crunch. Croze simplement. T'es en train de creuser. Continue comme ça, c'est bien. Crunch. Putain, l'épave que j'ai pris, sa mère. Vas-y, viens. Donne ta carte SIM. Bouge pas, donne-moi ton arme, je la prends, ton taser, je la prends, je te prends toutes tes armes. Je te prends ton téléphone, je te prends ta radio, c'est bon? Tiens. Voilà, donne-moi ta carte SIM. Ça va, doucement. Tu vas vraiment me pointer un calibre 50 qui tire une balle, qui va me trouer le crâne? Tu vas vraiment me le pointer là? Ouais, je te le pointe. Donne-moi ta carte SIM. Comment je fais pour la recevoir, ta carte SIM? Tiens, je vais te la donner, ma carte SIM. T'inquiète pas. Donne-la moi. Tiens. T'as plus aucune arme sur toi, je t'ai désarmé. Y'a pas de problème. Un mouvement y a pas de problème. Je te donne ma carte SIM. Tiens. Vas-y. Ok. Prends-la. Maintenant, tu te mets accroupi, tu te retournes. Y'a pas de problème. Retourne-toi. De qui? Le mec qui doit 300k, je crois, il va me la mettre à l'envers. Il attends. Une pause, Iris. Il de me dire bien. Allô? Ouais, je sais, mais. Attends. T'as rien tué quelqu'un là? De quoi? T'as rien tué quelqu'un?
Ah, tu m'entends? Non, bah... non, je parlais avec Isis et... T'as rien, tu sais qui, là? Pas du tout, je... T'es où? Ça fait... Attends, ça fait un bug bizarre, oui. Ah, ok. Je te jure, j'ai entendu un bruit de... Ouais. Ok. Contrairement... En gros, lui, lui, la seule règle qu'il avait, c'était pas de parler. Et ce con, le seul truc qu'il fait, c'est dire le prénom, tu vois. Et du coup, nous... Et en plus, nous... Ah, quand il a dit le prénom, c'était... C'est trop drôle. Après nous, avec Kadash, genre en mode on se parlait, on s'est dit, il a dit le buzz, et nous notre but c'était juste de livrer Bachir, tu vois. Nous on a... Le patron, et nous on croit pas trop, à la chicha sous ballon, tu te parles, t'as des mythos, tu racontes que des pipos, envoie.